Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on termine l'aventure du jeu. Backbone, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Oh mon Dieu. Venez. Je ne me laisserai pas intimider, vous savez. Je ne cherche pas à vous faire peur. C'est cette attitude qui vous a amené ici. Non, c'est votre brute qui m'a amené ici. La menace. Situation désespérée, mesure désespérée. C'était le seul moyen de vous m'assurer que vous viendrez. Ça tient plus du fidèle lieutenant que de la simple brute. Et bien de manière à laisser encore à désirer. Ce n'est pas pour son sens de l'étiquette que je la paye. Elle est loyale, c'est tout ce qui compte. Bien entendu, je suis sûr qu'elle vous sert de son plein gré. Merci, Sous. Voilà tout. Sous, laissez-nous. Comment m'avez-vous trouvé? Akame a réveillé votre nom à l'un de mes revendeurs. Le doigt, dites-moi tout ce que vous savez sur Howard sur le champ. Il a découvert une ancienne technologie, elle fait maintenant partie de lui. Il a été infecté par une forme de vie capable d'altérer le génome. Quelle forme de vie? Qu'est-ce que vous racontez? Elle modifie votre biologie, votre espèce de l'intérieur. Elle induit de mutations et modifie rapidement l'ADN de son hôte. Vous transforme en profondeur, ignorant pourquoi. Comment et d'où viennent-elles? Je pense qu'elle a été découverte de l'autre côté du mur. Elle n'est plus entre les mains de ses grands saints. Je l'ignore, c'est le ministre des sciences qui l'a découvert. Elle est censée éclairer ça, dites-moi juste qui est arrivé. Alors, que lui est-il? Que lui avez-vous fait? Il s'est enfui. Vous n'avez pas suivi? Il est vivant? Où est-il? Je pense qu'il est, oui. Je pourrais essayer de le retrouver, vous et moi. Il est perdu au-delà du mur. Je vous assure que nous le recherchons un petit peu. Il doit vraiment vous manquer une case et vous pensez que je suis prête à collaborer avec vous. C'est pour ça que vous m'avez fait amener ici. Le tort n'est plus là. Il vous faut un nouveau partenaire. Un esprit aussi brillant que le vôtre doit pouvoir deviner ce que je veux, non? Vous voulez découvrir ce que je sais, effacer vos traces? Perdu, je veux que nous collaborons. Je vous savais folle. Mais pas au point de pouvoir imaginer que j'accepterais de travailler avec une criminelle au service de notre élite corrompue et de son cannibalisme. J'ai mis un terme à cette affaire. Comment osez-vous? Il s'agit de la vie d'innocent. Ça m'a donné un moyen de pression sur les grands singes. Vous n'êtes qu'une meurtrière. J'ai choisi mes victimes. C'était des brutes. Des maris violents. Des violeurs. Peut-être. Passer. Passer. Tout ce qui compte. La prochaine étape. Même les pires ordures ne méritent pas d'être dévorées, c'est faux. C'est terminé maintenant. Vous voulez peut-être que je vous félicite? Vous êtes intelligent, prudent. Vous avez une ambition sans limite comme moi. Arrêtez de la flatterie et dites-moi plutôt ce que vous attendez de moi. Je veux abattre les grands singes et leurs murs. Pardon? J'ai besoin de quelqu'un qui provoque une révolution. Vous serez responsable des renseignements et de la communication. J'ai besoin de donner un visage à cette direction. Avez-vous totalement perdu la tête? Non, je suis juste furieuse. Vous et moi pourrions bien être la seule personne censée de cette ville. Vous voulez réellement abattre le mur en sens propre? Vous verrez. Il est possible d'accomplir derrière. Vous comprendrez. Le mur est là pour une bonne raison. Tout ce qui nous sépare d'une mort certaine. Les grands singes explorent les terres sauvages depuis longtemps. Et sans danger. Et moi-même étais au-delà des murs. Il n'y a rien à à espérer. Absurde, vous dites n'importe quoi. Les gens peuvent vivre là-bas selon leurs propres règles. Winner cherche les vestiges des civilisations disparues là-bas. Comment savez-vous la technologie qui m'a infecté le tort a été découverte derrière le mur? Oh, et j'ai construit un tunnel. Il débouche loin derrière le mur. Je peux vous montrer si vous souhaitez.
Je ne comprends pas. Vous avez collaboré avec les grands singes. Quoi, leur destitution pourrait-elle améliorer les choses selon vous? Les femmes n'auront plus besoin d'assassiner, que ce soit pour réussir. Les gens meurent dans la misère. Les femmes meurent sous les coups des hommes. À qui la faute? J'ai vu votre livre. Vous connaissez déjà la réponse. Ils ne seront plus là, c'est sûr. Un argument difficile et réfutable. La révolution se fera lentement, mais sûrement, comme une grande marée. La révolution se fera brutalement. Elle a un cri que l'on pousse en se levant d'un cauchemar. L'armée et la police rendent alors une excuse toute trouvée pour nous écraser violemment, beaucoup mourant. Ils ont déjà commencé à semer la dissension dans leur rang. Ils ne demandent qu'à grandir. Ils ne respectent que la force ou leur maître. Qui a vraiment le pouvoir? Vous trouverez un moyen de les dresser quand... Des ambitions bien loin de la drogue, du meurtre des proxénistes. Vous êtes déjà puissant. Pourquoi risquer de tout perdre? Je veux libérer les femmes. Mon pouvoir n'est qu'une illusion. Ce que je veux, c'est la liberté. Ou la vengeance, la paix et l'absolution. Je ne ferai que vous aider à instaurer votre stature. Non, je veux que chacun reprenne le contrôle de son destin. C'est bien la dernière chose que je souhaite. La dictature sans seul serait à ma côté. Et moi, qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Je prendrai tous les risques. En vous faisant confiance, et vous me croyez vraiment prête à vous pardonner, je vous offre une chance de changer le monde. C'est à vous seul de décider. C'est trop facile, et vous n'avez qu'à l'impression que vous surestimez. Peut-être, je tiens toujours mes promesses. Je suis sûr que pas mal d'hommes vous ont déjà fait la même réflexion. La situation se détériore plus vite que vous ne pensez. Bon, ça a été un plaisir vraiment. Il y aurait une autre chose que je peux y aller. Vous êtes libre. Réfléchissez à tout ça. Vous avez 2 jours. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rester boire un verre? Vous avez 2 jours pour réfléchir. Je ferai ça chez moi. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce qui se passera si je rate l'échéance? Vous vous retrouverez du mauvais côté de l'histoire. Rien, vous n'entendrez plus parler de moi. Je compte sur vous pour prendre la bonne décision. Pas de doute. Vous restez une criminelle object à mes yeux. Mais je vous promets que vous aurez bientôt ma réponse, quelle que soit. C'est tout ce que je demande. Bonne chance, René. Prenez votre temps. C'est la décision la plus importante de votre vie. J'ai hâte d'être avec vous. Nous allons faire une grande chose ensemble. Enfin, j'ai plus de mal à vous joindre et à obtenir une table pour 2 chez Dorcia. Mon invitation tient toujours. D'ailleurs, leurs huîtres sont une vraie tuerie. Je vous écoute, profitez-en. J'ai été très occupé, un problème personnel. Vous avez essayé de m'appeler, je n'ai pas remarqué. Comment se présentent les dernières versions du chapitre consacré à notre département? Ah oui, il faut que nous parlions de ça, d'ailleurs. Disons simplement que j'y vois de plus en plus clair. Vous intéresse ce livre plus que le chapitre? Je suis ravi de l'entendre. Je savais que vous laissant suffisamment la liberté, vous retrouverez l'inspiration. Quand pourrais-je lire la dernière version? C'est terminé, je ne peux plus travailler sur ce projet. Quand vous l'aurez écrit vous-même, je ne veux plus jamais travailler pour ce genre comme... Venez, ne me dites pas que vous traversez une autre crise. Je ne vous paye pas pour produire un chef-d'œuvre. Suivez le plan, écrivez ce que vous demandez sur ces pages. On m'a fait une meilleure offre, je démissionne. Vous ne me laissez jamais exposer la vérité. Je suis fatigué, il est temps pour moi de passer à autre chose. Et vous oubliez les milliers de pièces que j'ai déjà investies. Sans parler de ma réputation, vous voulez vraiment devenir mon ennemi juré, René? Je m'en sortirai très bien sans vous. Je m'en moque, je veux ma liberté. Non, mais je tiens à rester fidèle à mes principes. René, vous n'êtes rien sans moi. Votre premier livre a été un échec total. Je vous offre une chance unique de connaître le succès. Vous n'aurez plus que jamais quelqu'un comme moi. Trouvez quelqu'un d'autre pour terminer ce livre, je m'en moque. Avec vous, je ne serai jamais qu'une marionnette qui aide une fausse renaissance. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas réaliser votre ego. C'est si fragile. Je vous croyais stupide, mais vous êtes clairement suicidaire. Très bien, nous allons voir si vous préférez avoir comme ennemi plutôt que protecteur. Excellent, ce sera le thème de mon prochain livre. Prochain livre? Ne se fera pas rire. Vous n'êtes qu'une enfant gâtée, incapable de comprendre comment le monde fonctionne. Je regrette juste de ne pas l'avoir fait ça plus tôt.
C'est vraiment beau. Je me repose plus tard. La lettre de Howard ne précise pas où il se trouve. Peut-être qu'il ignore. On pourrait peut-être le retrouver. Je pense à la lettre. Son message était triste. Est-ce que tu souffres, Howard? Où es-tu? Vraiment désolé. Il est peut-être toujours en vie. Je ne veux plus y penser. C'est trop dur. J'ai des choses à faire. Tasse de thé m'aiderait à choisir le thé vert, noir, le biscuit. Mon préféré, il me fait penser à lui. Tout ce qu'il y a dans cet appartement, nous devons partager si peu de temps. Il me manque. Partageant des vrais liens, c'est rare. Il n'est plus là, mais il m'a rendu espoir. Grâce à lui, je crois à nouveau à l'avenir. Je n'oublierai jamais. La mère de Howard. Allez, René, courage, tu lui dois au moins ça. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est pas une bonne idée. Mon devoir. Je vais y aller à l'impro. Je le fais toujours. Elle répondait. Allez, look. Allô, qui est à l'appareil? Anecdote, je m'appelle René Wilson. Au sujet de votre fils. Nous sommes là. Nous sommes tous ceux qui ont persévéré. Nous sommes tous ceux qui ont souffert. Nous sommes tous ceux qui ont osé demander. À quoi bon de l'amener? La fin est inscrite dans le commerce. Un commencement. Nous accédons à l'existence que pour mieux la quitter. Nous avons été un nouveau-né. Nous n'étions qu'un amas de rêves et d'erreurs. Nous étions un. Le fœtus, la première débauche d'une personne qui est devenue ce bébé, que sommes-nous devenus? Une masse pitoyable de chair purifiant. Nous avons trop cherché à échapper à ce qui nous définissait. Nous avons résisté, nous avons survécu. Factionnant nos êtres en atomes et démêlant les fils de nos origines, suivant-les depuis le début, les moments de notre conception jusqu'à l'instant présent. Que voyons-nous? Ce qui est fini et inéluctablement ce qui est arrivé et se produira à nouveau. La réconciliation des formes passées et de vies futures, des choses anciennes et de potentialités, l'harmonie va embrissant d'un être en perpétuel devenir. Comme cela. Quand le panorama du passé, de l'avenir, se tendra enfin devant nous, dans toute sa vertigineuse complexité, quel sera notre choix? Il y en a. Le choix est fait. Nous devenons. Nous persévérons. Changeant. Pouvoir échapper à la douleur, laissant la souffrance faire partie de nous, délectons-nous de sa beauté, changeant, sans rien changer. Quelque part. Est-ce que c'est derrière le mur?
Oh. Il a pris là-dessus, il est mort. On s'est séparé? Je sais pas. Backbone. Bon, c'était tout. L'aventure. Backbone. Live. La chaîne. Caribou. Canadien. Oh yeah! Je me demande si ce jeu avait plusieurs fins. Premier jeu terminé de 2022. Rough Fury. Acheter ce jeu Netflix, le jeu terminé. Tous nos Kickstarter, je n'existerai pas sans vous. Quand même beaucoup. Thank you.
vraiment beaucoup. J'ai juste rendu du côté B. Dans les S. On se reste encore 3-4 minutes juste dans... Juste pour tout montrer les noms. Maintenant. Ça sera les UVW. Pas les U. Et quatre lettres. W qui apparaît. Le jeu, une belle histoire, est terminé grâce au caribou canadien. Oh yeah!